Ils sont là. Merci. Moi, que les gens soient pour la paix. Tous ces hommes-là, ils pensent que c'est eux qui vont faire la paix. Oui, allez. Déclaration des leaders confessionnels à l'occasion du lancement du projet interconfessionnel pour la paix au Nord Kivu. Réunis à Goma au centre d'accueil Isidore Bakanja en date du 19 février 2022, à l'occasion du lancement officiel du projet interconfessionnel pour la paix au Nord Kivu, les leaders religieux du Nord Kivu, toutes confessions et dénominations confondues, prennent l'engagement à ce jour d'accompagner le processus de consolidation de la paix au Nord Kivu. À l'issue de cet atelier de lancement du dit projet, nous, leaders des confessions religieuses présents à cette rencontre, reconnaissons unanimement que la paix demeure aujourd'hui plus que jamais notre dénominateur commun et qu'elle doit être continuellement recherchée par tous sans considération de nos diversités doctrinales. Ainsi, avons-nous trouvé l'impérieuse nécessité de conjuguer nos efforts pour la restauration de la paix au Nord Kivu, longtemps déchirée par des conflits récurrents et des violences de tout genre. Et même pendant cette période d'état de siège qui peine à rétablir la paix durable. Considérant le rôle prophétique que les confessions religieuses sont appelées à jouer, à savoir celui de prévenir les causes à la base des conflits, construire une dynamique de paix et promouvoir la justice sociale pour la transformation des cœurs, convaincu que le plan de Dieu pour l'homme est d'assurer son bien-être intégral à travers le message de l'Évangile qui nous appelle à l'amour du prochain, au pardon, à la réconciliation, à la pratique de la vérité et de la justice, conscient que la recherche de la paix et la réconciliation nécessite impérativement l'unité de toutes les confessions religieuses, en ayant une voix commune en vue de porter plus haut le message pour un plaidoyer efficace pour la paix, nous, leaders des confessions religieuses au Nord Kivu, déclarons ce qui suit. Notre engagement effectif au projet interconfessionnel pour la paix au Nord Kivu. Notre soutien aux autorités de la province dans leurs efforts de la recherche de la paix et de la cohabitation pacifique des communautés. Notre appel à tous les fidèles en particulier et à la population en général à s'impliquer personnellement dans la promotion de la paix. Notre détermination à dire chaque semaine dans nos paroisses et mosquées une prière commune sur la paix, inspirée de la prière écuménique de Saint François d'Assise. Nous remercions les partenaires financiers CAFOD, Christian Aid, TFound et les partenaires techniques Search for Common Ground et CIMR et nous sollicitons
l'accompagnement des autorités politico-administratives et locales pour la réussite de ce projet. Et nous nous engageons tous à disant ensemble la prière écuménique attribuée à Saint François d'Assise, qui trouve sa source dans la parole de Dieu, « Heureux ceux qui procurent la paix ». Matthieu chapitre 5, verset 9, et sourate Mutahina, verset 8, ainsi que Al-Imran, verset 8. Voici la prière inspirée de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Fête à Goma le 19 février 2022. Les signatures sont sur le document, signatures faites par les leaders religieux de toutes les confessions confondues. Je vous remercie. Sijue kikao hiki cha leo kilikuwa na lengo gani? Kikao cha leo kama vile umetuona tumekusanyika hapa wakubwa wa makanisa na wa madini mbalimbali kwa kuweza kutafuta amani ya kudumu ndani ya jimbo letu la Kivu ya Kaskazini. Tumekusanyika leo kwa tunaanza muradi mpya wa kutafuta ujenzi wa amani na watu waweze kuishi pamoja katika usalama, katika amani, katika undugu. Na ni vile tulipenda siku ya leo sisi wote wakuu wa makanisa, wakuu wa madini mbalimbali tuweze pamoja kama vile mtu mmoja kutia mawazo pamoja na nguvu pamoja kwa kuweza kutafuta amani na usalama ndani ya jimbo letu. Ni lengo la sisi kuwapo hapa kwa wakati huu kwa siku ya leo. Tunaweza kujua mradi huu utachukua kipindi cha muda gani? Unajua kama kujenga amani inachukua muda. Ni mambo yenye kuchukua muda, ila tumeanza tu kwa siku ya leo. Ni hatua ya kwanza tunafanya katika kazi ya kutafuta amani. Tunatumainia kama mradi huu tumeanza siku ya leo utachukua labda miezi mitano tunatumaini, lakini nyuma ya hapo kutakuwa hatua zingine za kuweza kuendelea kwa kutafuta amani ndani ya jimbo letu. Ni mbinu gani mtakazochukua? Ni maombi ya kufunga au mambo yatakuwaje? Mambo yatakuwa nyingi, ila sisi ni watumishi wa Mungu, ndio maana tunawaza kila mara kujitia katika mikono ya Mungu. Na ndio maana katika ujumbe wetu tumeumaliza na sala. Sala tuliochukua katika sala ya Mtakatifu Francisco wa Assisi, ambamo anaomba amani, anaomba kila moja wetu ajitolee kwa kuweza kujenga amani, kujenga usalama, kujenga haki, ukweli na mapendo. Ni ile tumeweza kuchukua. Il a décrété l'état de siège. Jusqu'aujourd'hui, on peut dire que les confessions religieuses s'unissent en d'accompagner la vision du chef de l'État. Justement, c'est puisque nous croyons à la recherche de la paix lancée par le chef de l'État,
Nous croyons que l'état de siège devra arriver à rétablir la paix. C'est pour cela que nous, comme confession religieuse, comme leader de confession religieuse, nous voulons dire au monde entier que nous sommes derrière cet effort pour la paix. Et nous nous engageons nous-mêmes aussi à chercher la paix, mais une paix durable, avec les moyens que nous avons comme confession religieuse, les moyens qui sont spirituels certes, mais aussi les moyens qui sont techniques et matériels, comme nous allons le voir durant tout le temps que va durer la réalisation de ce projet que nous lançons aujourd'hui. Et comment vous analysez la situation sécuritaire à l'Est en dépit de l'état de siège de l'État ? Nous savons que l'état de siège cherche à rétablir la paix, mais nous pensons qu'il y a encore du travail à faire. Et nous sommes derrière cet effort pour ramener la paix. Arrivé à la fin de cette cérémonie du lancement du projet pilote interconfessionnel pour la paix et la cohabitation pacifique entre communautés. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'organiser cette cérémonie. Nous rendons grâce à Dieu qui a mis dans l'homme le désir de la paix et de la cohabitation pacifique entre communautés. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les bienfaiteurs et les bailleurs épris de paix et de cohabitation pacifique entre les peuples et qui nous soutiennent dans ce projet. Nous vous remercions tous pour votre intérêt soutenu, manifesté à chercher les voies et moyens de promouvoir la paix dans notre province du Nord-Kivu. Certes, nous voulons lancer le projet, mais nous savons que cela prendra du temps. Construire la paix, c'est un travail de longue haleine. Mais nous savons que le maître de la paix, c'est d'abord Dieu lui-même. Lui qui nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Alors, confiant dans la force de l'Esprit Saint qui nous accompagne, nous déclarons clos les travaux du lancement du projet pilote de la promotion de la paix et de la cohabitation pacifique entre communautés dans la province du Nord-Kivu, et je vous remercie.